Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et on reprend sa dernière fois. Dans Wokfu d'Assassin's Creed Unity. Nous avions résolu une enquête, je vais pas en dire étrange, mais particulière, plutôt devrais-je dire. Notamment sur qui assassiner qui, hein. Bon, l'enquête n'était pas compliquée en soi, à partir du moment qu'on a eu l'indice du verre. Donc l'indice du verre concordait parfaitement avec le collier. Bon, par contre, j'ai dû faire comme avec l'Académie des Sciences. J'ai pas visité tous les lieux, il m'en manquait un. Mais bon, quand vous avez tous les indices nécessaires pour identifier la personne avec une certitude complète, non, c'est bon. Voilà, j'avais tous les indices qui me démontraient que c'était lui ou sa femme. Pour moi, c'était lui. Sa femme pouvait ne pas être au courant, il est vrai, par rapport à ce que j'ai dit dans l'épisode précédent. Parce que la manière dont était fait en fait les perles du collier, c'était forcément possible de tuer, de le casser. Donc, vu que c'est lui qui a réparé à côté du verre. Surtout qu'on nous a confirmé qu'il a essayé de le réparer. C'était l'indice moi qui m'a suffi en fait. C'est l'indice là, c'était lui qui essayait de réparer, a été l'un des indices les plus intéressants. Sauver la marquise Sade de la guillotine. C'est tout à la tête de l'infâme et sortie de marquise de Sade finira bientôt dans un panier accusé de modérantisme, mais les crimes sont en réalité à la fois bien plus communs et plus graves. Nous félicitations au service du procureur Fouquier-Téville du Grand Châtelet dans l'attente d'une mutation de la rédaction. L'acte judiciaire. C'est pas sur la carte. Bon bah on va devoir y aller à pied. J'aurais aimé nous faire gagner du temps avec un dépassement rapide, mais étant donné que c'est pas pressé sur la carte, on va y aller à pied. Je sais que mon coffre du café était très plein, mais bon, avec un million de... avec plus d'un million de francs... Voilà. Surtout que j'ai déjà tout acheté, ce que je pouvais acheter, donc... Donc voilà. Alors... on va passer par là, passer par là. Oh mais si c'est indiqué, j'ai juste mal vu la carte. Tant pis. Tant pis, ça arrive. Dans les commentaires, vous avez dû déjà mettre plein de commentaires me disant « Mais si, regarde !» Eh oui, c'est plus trop tard. Bon, ça arrive, hein. Je pourrais passer par les sous-sols. Je pourrais passer par les sous-sols. Pour infiltrer la prison. Parce que disons que j'ai déjà eu une mission. Enfin, je sais pas si c'est bon sous-sol par contre. Il y a une mission coop sur justement par, dans le même lieu et j'étais rentré par les sous-sols. Sauf que là j'ai dû me planter de sous-sol. J'ai dû me planter de sous-sol, bon ça arrive. Ah
Ouais, je me suis planté tout seul. Bon, c'est pas grave. Ça arrive. Mais en gros, eh, mais qu'est-ce qu'il me fait? Eh, excusez-moi, je me suis juste planté sur une touche. Je sais plus par quel sous-sol il faut passer. Ah, c'est bon, je me rappelle. Je sais exactement où est l'entrée pour passer discrètement. Je vais vous la montrer parce que c'est une entrée qui peut être vraiment être intéressante. Ça évite de passer par la porte principale. Ce qui est juste parfait. Si j'arrive à retrouver, on passera par là. Si je retrouve pas, bah tant pis. Hein, on passera par. Ah bah voilà. Allez, là. Entrée, là. Donc vous allez me dire, bon, pourquoi je passe par là? C'est pour vous montrer, en fait, vous avez un accès ici. Qui vous permet vraiment d'être totalement discret dans l'infiltration de ce lieu. Passe-pointe. Tu peux te soustraire à la loi, chien. Bon, après. Il est vrai que moi je m'en fiche un peu. J'admets. Pour moi, je pourrais même pas m'infiltrer, ça serait pareil. Mais je vais vous montrer cet accès-là. Pour ceux qui essaient de. Pour ceux qui cherchaient en fait la moindre, c'est infiltrer discrètement. Ouais, c'est cette personne là que j'ai jamais vu ce skin là de combattant. Bon, d'accord, c'est pas encore là. Normalement, il doit être tout en haut de mémoire. Mais bon, on va quand même vérifier. Voilà. Parce que je voulais. C'est pas ce que je voulais. Maintenant, faut que je remonte tout. Oula. Par contre, le seul des gros. Enfin, il y a deux gros défauts pour moi dans ce jeu-là. Il y a la caméra qui se bug. Parce que parfois, on voit rien et c'est. Cet homme a autant d'échines. Je déteste mes problèmes de caméra. Et j'ai un autre défaut à ce jeu. Hein? Montre-toi, allez! Sors de ton trou!
Putain, mais c'est où? Oh, je sais plus où est le papier. Je sais plus où est le papier. Je sais plus où est l'acte judiciaire. Parce que pour moi, la logique, c'est qu'il devait être là. Bon, on va fouiller tout le bâtiment. Oh, c'est bon. Ouais. Il était pas loin. Un vrai moyen de fuite. Je voulais indirect. Je voulais pas vous montrer tout de suite, mais c'est. Ah, mais pourquoi il a. Passer à côté, j'ai. Oh là là. Ah, mais je suis parfois, je suis gauche, j'avoue. Eh, je suis quand même passé juste à côté, je m'en suis pas rendu compte. Ah, j'ai fait fort. Voilà, bon, bah, une nouvelle mission, on va la faire. Ah, là. Ah, parfois je suis nul quand même. Mais c'est pas grave. C'est pour ça que vous aimez bien me regarder. Bon, j'avoue qu'on n'avance pas beaucoup dans l'histoire principale. J'ai envie de vous rassurer un peu. J'essaie toujours d'avancer quand je fais deux épisodes. J'essaie toujours d'avancer un petit peu dans l'histoire principale pour éviter que vous ennuyez. Mais après, bon, je fais vraiment le plus de quêtes pour vous montrer les comment les réaliser, bien évidemment. Vous donner des petits conseils, etc. Pour ceux qui ont besoin d'aide pour les enquêtes, au moins ça les aide aussi. Hein. Et pour vous autres, ben, vous découvrez le jeu, quoi. Ça vous permet de vous faire un avis dessus. Puis une fois que j'aurai terminé vraiment toutes ces quêtes secondaires, ben, je peux vous promettre que la quête principale sera très vite. Disparition de mon ordre d'exécution. Désormais s'ouvre les joies de la vengeance. Mes ennemis politiques se déchaînent depuis que tu as banni Grignon. Mais il se trouve que chacun d'entre eux cache un secret délicieusement salace. Voici une liste de ce qui peut les incriminer. Si tu voles ces objets, le vieil empire de débauche de Grignon demeurera sous mon patronage bienveillant. Pardonne mon insistance, mais j'ai vraiment besoin. Dégueulasse, personne. Thank you.
sans être vu. Oh le poulet. Il a l'air de s'amuser. C'est pas ça, faut pas être détecté normalement. Bon, pas grave. Hein? Par contre, il y a toujours un truc qui me surprendra sur ce jeu. Et qui a tendance un peu de m'énerver quand même, je vais pas vous mentir. C'est que parfois, normalement, c'est toujours des combinaisons de touches pour faire certaines des actions. Je ne fais pas les combinaisons de touches, mais je fais l'action. Par exemple, plonger. Plutôt, excusez-moi. Réaliser le saut de la foi, il me fait parfois sans que je lui en demande l'ordre. Alors que j'ai juste demandé d'avancer tout droit. Qui a-t-il cette fois ? Si quelqu'un l'a dit, je suis condamné. Ne sois pas stupide. Tu es folle, il faut la retrouver. Vous ne savez pas qu'on frappe avant d'entrer. D'accord, je sais pas. Donc, lettre à une amende. Amante, excusez-moi. Ah, tromper sa femme, je comprendrai jamais ces personnes qui font ça. Et le commentaire, si on y en a qui met le commentaire, c'est juste pour, passer un bon moment ou changer un petit coup. Ça passe moyen quoi. Voilà. Je viens de vous prouver. Parce que normalement en fait faut que je demande aussi. Normalement faut que j'appuie aussi sur la touche de course libre vers le bas. En même temps que course libre vers le haut en fait. Pour faire le plongeon. Ouais, saut de la foi. Ouais. Shift pour les commandes de base, c'est Shift Z. Excusez-moi, le gabarit espace n'est pas nécessaire. Et le problème c'est que je cliquais que sur Shift Z. D'un côté, c'est bien parce que ça facilite parfois certains trucs, ça évite que ce soit trop compliqué à mettre en place. Mais quand vous demandez pas de faire ça et qu'il le fait, ça peut être dérangeant, surtout dans une course poursuite. Mais pour l'instant, ça va, ça me dérange pas trop. Je m'en sors plutôt bien. Donc. Allez hop. D'ailleurs, j'ai dit amante. On peut avoir des amants. Que ce soit quel que soit le parti, hein. Moi c'est niette. Hein. Quelqu'un d'un peu archaïque, mais sur ce point, moi je suis intransigeant. Après, on a tous. Chacun ses raisons. Je ne mettrai pas en contradiction avec les miennes. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous n'êtes pas d'accord. Mais bon, à cette époque-là, comment dire, tromper sa femme, on va dire que c'était une chose de banale. Mais pourquoi il veut pas? Ouais. Il voulait pas en fait, c'est pour ça que... j'ai un peu de mal. Oh attendez, on va faire un déplacement rapide parce que... sinon la vidéo, je perds énormément de temps à faire ça. Et on va jamais avancer. C'est vrai que ça, je suis en train d'y réfléchir, mais c'est... ça peut être un... bon, c'est sûr, ça fera un débat, je pense, pour ceux qui veulent débattre. Mais ce qui est étrange, c'est qu'en fait, en fonction... quel que soit le moment de la civilisation, il y a un truc qui n'a jamais changé, c'est que la fidélité des personnes n'a fait que progresser avec le temps. Je ne fais pas d'affaire avec les escrocs. Fichez le camp. À cette époque-là, sauf que l'image derrière n'est pas la même.
à l'époque du Moyen Âge, c'était impardonnable. Voilà. Pourtant, ils n'essayaient pas de le faire. Enfin, surtout les seigneurs. À l'époque de l'Antiquité, ça se faisait, c'était pas rare que ça arrivait. Tout, ouais, ça dérangeait pas. À cette époque-là, nous sommes ouais, la Renaissance a déjà passé, etc. Ça recommence à refaire débat. Étant donné que bon, les hommes vont souvent en maison close, comme ça s'appelle, ou les cafés-théâtres, si vous préférez, voire les dames de compagnie, ou les courtisanes. Prenez le nom que vous voulez, hein. C'est exactement la même chose, la signification. Et les femmes étaient souvent cocues. Et les maris aussi. Parce que ce que les hommes faisaient d'un côté, les femmes n'hésitaient pas à faire de l'autre. Bien évidemment, il y avait toujours la fidélité qui pouvait exister, hein, je dis pas le contraire. Puis, étrangement, en fait, plus les temps ont évolué, plus c'est quelque chose de devenu, j'ai envie de dire, malheureusement banal. Autant à l'époque le divorce était très mal vu, à l'époque du jeu, autant maintenant, un mariage sur deux il vaut au divorce, ironiquement. Et à côté de ça, ce qui est aussi assez marrant, enfin le premier mariage, excusez-moi, je vais préciser que le premier mariage il vaut au divorce, une chance sur deux. Je vous conseille pas, bien évidemment. Fort bien, merci Arnaud. Imposer ma volonté aux autres me procure un tel plaisir. Suis-je une mauvaise âme? Donc pour continuer sur ce débat justement, ça arrive, j'ai envie de dire, c'est devenu quelque chose de tellement courant que c'est devenu un peu... Je trouve dommage, étant donné qu'à une époque on mettait la fidélité justement en avant, on n'arrêtait pas de parler de ça. Aujourd'hui c'est devenu quelque chose de banal. Et à l'époque de la Révolution française également. Sauf qu'on n'avait pas ce... On avait toujours, on va dire, un sens, une sorte de sens d'honneur, étant donné que on était certes mariés, on avait beau être cocu, tout ça, on restait mariés et le mariage était très mal vu dans la société. Donc aujourd'hui, c'est pas rare du tout, c'est... Et disons que j'ai l'impression... C'est un aspect qui a bien été représenté dans le jeu, c'est pour ça que je parle beaucoup de ça. Mais ce qui est, j'ai envie de dire, un peu marrant, c'est que... Vas-y, je suis des revenus qui viennent d'arriver ou... Non, je me suis pas voir. Ce qui veut dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus le cas en fait, c'est... Ben, l'honneur a disparu, j'ai envie de dire. C'est devenu quelque chose de, voilà, que je veux dire, banal, voilà. Et pourtant, je pense que ça reste une des valeurs quand même les plus nobles et l'une des plus belles valeurs qui pourrait exister encore de nous. Avis personnel. Et je pense que c'est indispensable. Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose de noble, de magnifique, de merveilleux. Mais bon. Après, chacun ira son point de vue. Mais voilà, c'est vrai que ça peut... C'est quand même assez intéressant. Et je vous laisse avec la salle du conseil dirigée par Mirabeau. Vous avez triste mine? Cela fait des mois que je m'efforce de contrôler la confrérie, l'assemblée et le roi. Ensemble, ils ont tout au plus l'intelligence politique d'un conseil de villageois ignorants. Je pense que cela excuse mon manque de prestance. N'y voyez aucun manque de respect, Mentor, seulement de l'inquiétude. Ne pleure pas pour moi, Arnaud. Pleure pour la France. Mais oublions la politique. J'espère que tu as de meilleures nouvelles. Qu'en est-il des meurtriers de Delasseur? Le roi des mendiants est mort. Il avait ceci sur lui. Repose en paix. Tu devrais le garder.
Il ne servira à personne s'il moisit au fond d'une crypte. Sois-en digne. Merci. J'essaierai. Et ta mission? Le roi des mendiants et Sivert n'étaient que les pions d'une partie bien plus vaste. Quelqu'un les a envoyés tuer Monsieur de la Serre. Les Templiers ne peuvent rien faire simplement. Que sais-tu au sujet de ce mystérieux joueur d'échecs? Ma seule piste est l'objet qui a servi à tuer Monsieur de la Serre. Une épingle, fabriquée par un orfèvre du nom de Germain. Mais j'ignore encore quel rôle il joue. Ta voie est donc toute tracée. Trouve cet orfèvre. Découvre quel est son rôle. Ce pistolet m'interpelle, en fait. Donc voilà, nous savons déjà ce qui nous attend pour la suite. Vu que vous êtes gentil. Attendez. Oula. Voilà. Ah, c'est ça que je cherchais. Et on va faire un dépassement rapide ici. Voilà. Donc, je me suis plus ou moins trompé. Excusez-moi, je reviens sur ma vidéo présente. J'ai dit que c'était un conseil qui dirigeait le convoi des assassins. En fait, c'est Mirabeau qui dirige le conseil des assassins. Excusez-moi. Donc c'est toujours en fait une sorte de dictature. Enfin, plus ou moins. Je pense, d'après moi, c'est que si les trois autres avis sont contre Mirabeau, je pense que c'est les avis des trois autres qui prévaloient sur Mirabeau. Mais c'est en gros, quelque sorte, le guide des assassins. Mirabeau, d'après moi. Je peux bien évidemment me tromper, hein. Mais en fait, je m'étais trompé avant. Hein. Je m'en excuse, je vous ai dit une sacrée erreur. Voilà, ce pistolet peut être plus efficace que le mien, mais je le trouve moins beau. Je garde le pistolet qui pour moi est le plus efficace et le plus beau. Bon, d'accord, ça peut paraître étrange. Je trouve qu'il est trop blanc, mais c'est plus efficace niveau portée, donc c'est pour ça que je le conserve. Même ça ne vaut pas être le meilleur. On voit, je m'excuse de l'erreur que j'ai faite. Hein. Faut l'envoyer à Bicet. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, j'admets. Même à moi. J'étais plus persuadé que c'était un conseil vraiment où tout le monde était équitable, mais ça ne surprendrait pas que la voix de Mirabeau soit prépondérante dans ce conseil quand même. Et que plus souvent on suit la vie de Mirabeau. François Thomas Germain fabriquait l'arme qui a tué Monsieur de Serre. Trouvez-le et découvrez son rôle. Eh bien, voilà qui est pour le moins suspect. Suspect ? Patience.
Ils les rendent furieux. Je les ai rendus furieux, mais à ma manière. Je suis toujours là, pourceau. Allez. C'est normal que vous voyez pas grand chose, mais moi je vois pas grand chose. J'arrive plus à combattre correctement. Enfin, plutôt à m'infiltrer correctement. Je m'en excuse. Par contre, on va pouvoir. De toute façon, j'en ai un paquet de crochets, donc on tape. Je vois pas comment je peux les rendre furieux. Ça fait 3 semaines que je... J'ai envie de savoir comment je peux les rendre furieux. Pour moi, faut pas que je sois dans le bâtiment. Enfin, que je reste devant, que je cours devant eux en fait pour qu'ils viennent vers moi. Et qu'ils s'approchent en faisant tournoyer l'épée. Pas grave. Ah, j'ai récupéré tous les artefacts en plus. Ah, je suis bloqué dans le décor. Les boyaux pour décorer le pont neuf. Monsieur Germain. L'orfèvre ? Dieu merci. Ils me retiennent depuis des mois. Je vous en prie, faites-moi sortir d'ici. D'abord, j'aimerais que vous me parliez de ceci. Cela attendra. Je vous dirai tout lorsque nous serons loin. Mais nous devons partir. Avant le retour des gardes. Bien, allons-y. Non ! Ils surveillent l'entrée, c'est certain. Nous allons devoir descendre et traverser. Alors suivez-moi, et gardez le silence. Rayom, que s'est-il passé? Une minute.
Je suis avec vous, citoyens. Avancez. Certainement. Qu'est-ce qui se passe? Attendez ici. Y'a un souci? J'ai un souci de son. Je m'excuse. Par ici. Certainement. Il y a un souci de son, j'ai ne bougez pas. Bout... En route. Très bien. Un moment. Ne traînons pas. Certainement. Bien, je ne sais pas trop quoi. Gardez un œil sur les toits. Ils y postent souvent des sentinelles. Êtes-vous un prisonnier si important? Pourquoi ton agitation? Je ne dois pas le perdre. Ouais. Aidez-moi de gras. Germain, changement de plan. Allons, laissons parler la raison. Relâchez l'orfèvre. Recule! Seigneur Dieu. Qu'ai-je fait? Ce qu'il fallait faire. Venez, il faut partir. Oui, bien sûr. Comment dire que c'est pas crédible ce qu'il vient de faire? Ah, bienvenue, citoyen. Viens ici, toi. Autant parfois c'est crédible, autant là, j'ai pas trouvé ça très crédible. Merci, mon ami. Vous m'avez rendu un fier service aujourd'hui. Peut-être pouvez-vous me rendre l'appareil. Oui, bien sûr. Puis-je? J'ai fabriqué la première il y a des années. Une commande spéciale d'un dénommé Lafrenière. Cela sortait de l'ordinaire. Je reconnais que ma curiosité a pris le dessus. Récemment, je me suis plongé dans le passé de Lafrenière, et alors, j'ai découvert des choses incroyables. C'est un Templier. C'est cela que vous avez découvert? Oui, je le crois. J'ignore ce que je dois en conclure. Mais j'ai manqué de prudence. Et Lafrenière a eu vent de mes manigances. Depuis, il me séquestre dans ma boutique. Je fabrique ce qu'il veut. Surtout des armes. Où puis-je le trouver? Eh bien, Lafrenière est un homme très difficile à débusquer. Il y a peu, je l'ai entendu parler de protéger les marchandises à la halle au blé. Tout cela semblait de mauvais augure. Si je peux me permettre, pourquoi vous intéressez-vous à lui? Il a tué quelqu'un qui m'était très cher. Je veux savoir pourquoi. Je vois. Je compatis à votre peine. Ils vont revenir vous chercher. Vous devriez rester discret. Oui, c'est une bonne idée. D'accord. Ils abattront toutes les barrières pour arriver jusqu'à...
Oh, j'ai pris un gant. Très bien. Mais c'est là-dessus que nous allons arrêter. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère en tout cas d'avoir passé un grand moment en ma compagnie. Attendez. Dans quel camp te battre, je ne crois pas vous connaître. Et gardez vos royales devant vous. En tout cas, j'espère que vous avez passé un grand moment en ma compagnie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à une prochaine fois. D'ici là, portez bien. Et à tout le monde. Encore merci d'avoir regardé.